Ça méritait de mettre de la musique dessus. Bon, je sais pas si c'est quel temps. Je sais pas quel temps. Puis il chante ça super. C'est extraordinaire. Marie Bourge. Marie Bourge. Nous allons terminer cette soirée, parce que tout a une fin. Et si on veut, si vous voulez qu'on vienne à un séjour, il faut qu'on parte aujourd'hui. Donc nous allons terminer avec un petit peu de gaieté, en fait, plus ou moins, avec une pièce qui sera chantée en anglais. Do you hear what I hear? Do you know what I know? Do you see what I see? Tout le monde a compris pour l'instant? Très bien. Et en fait, c'est une pièce qui a été écrite par un Alsacien qui s'est retrouvé en Amérique, en fait, puisqu'il a fui. Il avait été engagé par l'armée allemande à l'époque de la guerre de 1945. Il s'est réfugié aux États-Unis, il a continué sa carrière musicale. C'est à l'origine un Français. Et il a écrit cette pièce au moment des fameux missiles qu'on envoyait à Cuba. Et il était un peu révolté et il a écrit cette belle pièce, en fait, parce que entendez-vous ce que j'entends? Et en fait, c'est un plaidoyer pour la paix dans le monde. Et Dieu sait si actuellement on a besoin que notre monde vive un peu en paix. Donc pensons aussi à la paix. Dona nobis pace. Voici donc Do you hear what I hear? Et vous, si vous comprenez bien les paroles, vous verrez qu'il s'agit aussi d'un enfant. Et finalement, c'est l'enfant Jésus. Puisque ce chant est aussi un chant qu'on chante à Noël. Donc on est un petit peu en avance sur le calendrier. Et comme ça, ça vous fait une belle préparation. Maintenant, vous pouvez dire, attention, Noël arrive. Préparons-nous. Voici Do You Hear What I Hear avec Gabriel au piano. Et on a une nouvelle surprise dans cette soirée. Il y a Alexis qui sera en tambour. Et alors, la cerise sur le gâteau. Il y a Denis qui sera en triangle. Des heures de travail. Voilà, après ça, on vous souhaitera une excellente soirée. Merci de votre attention. On a eu vraiment un très grand plaisir à partager cette soirée avec vous. Un grand merci à tout le monde et un merci aussi aux organisateurs Saint-Vincent-de-Paul qui nous accueillent toujours avec beaucoup de gentillesse et de ferveur. Do you hear what I hear?